Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 1er avril, l'Église célèbre la mémoire de Saint Hugues, évêque de Grenoble. Saint Hugues est né à Châteauneuf, dans le territoire de Valence en Dauphiné en 1053 et dès le berceau, il est apparu comme un enfant de bénédiction. Il embrassa l'état ecclésiastique et accepta un canonicat dans la cathédrale de Valence. Ses vertus firent de lui l'ornement de cette église. Hugues, évêque de Die, plus tard archevêque de Lyon et cardinal légat du Saint-Siège, fut si satisfait de lui qu'il le prit dans sa propre maison et l'employa dans de nombreuses affaires importantes. Lors d'un concile tenu à Avignon en 1080, il fut contraint d'accepter le siège de Grenoble qui était tombé dans un état déplorable. Le légat amena Saint Hugues avec lui à Rome où il reçut la consécration épiscopale des mains du pape Grégoire VII. De retour chez lui, le saint commença immédiatement à travailler dur pour réformer son diocèse et eut bientôt la satisfaction de voir un changement merveilleux s'opérer grâce à son zèle. Au bout de 2 ans, mais avec la permission du Saint-Siège, il démissionna en privé de son poste d'évêque et entra au noviciat de l'ordre bénédictin de Cluny. Mais le pape lui ordonna de reprendre sa charge pastorale. C'est à Saint Hugues que Saint Bruno et ses 6 compagnons s'adressèrent pour abandonner le monde et le Saint-Évêque les dirigea vers le désert de la Chartreuse où ils fondèrent l'ordre des Chartreux. La longue vie de pénitence de Saint Hugues s'acheva le 1er avril 1132 après une longue maladie et il fut canonisé en 1134 par le pape Innocent II. Prions. Dieu, lumière et pasteur des âmes, tu as établi Saint Hugues comme évêque dans ton église pour nourrir ton troupeau par sa parole et le former par son exemple. Aide-nous par son intercession à garder la foi qu'il a enseignée par sa parole et à suivre la voie qu'il a montrée par son exemple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Hugues, priez pour nous, tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.